Bon samedi matin. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre notre petite sœur sourire qu'on aime tellement, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour! Encore aujourd'hui, on est là et plus ça va, plus on avance, plus on chemine vers cette paix, vers cette joie et surtout vers cette espérance. Aujourd'hui, c'est la Vierge de la Conception. C'est une Vierge que j'ai amenée de Lourdes. Vous voyez comment elle est belle. Et en plus, c'est le deuxième dimanche de deuxième dimanche de l'Avent. Alors, vous voyez, on avance la lumière et vous allez voir, chaque samedi, jusqu'à Noël, on va allumer les chandelles pour vous dire la lumière approche de plus en plus. Et quand on voit que la Vierge a conçu déjà, elle est prête à nous passer son Fils pour notre Sauveur. C'est lui qui nous remplit d'amour, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir continuer, et surtout la foi. La foi, j'en parle souvent, mais c'est l'essentiel. Il y en a beaucoup qui disent « mais moi, je n'ai pas la foi ». Non, nous l'avons tous, il s'agit de la demander, il s'agit de la nourrir aussi, il s'agit de penser que ça peut nous aider à franchir certaines difficultés. Souvent, on veut tout en faire ça tout seul. On pense que faire les choses toute seule, on peut réussir à s'en sortir. Mais ce n'est pas le cas. Des fois, c'est difficile. Moi, j'ai pris beaucoup Marie. Et puis quand j'ai vu à Lourdes tout ce qui se passe, tous les gens qui l'ont pris, tous les gens qui demandent d'avoir l'amour et la paix, et surtout Marie. Marie, tous les samedis, on dit, tiens, je vous salue Marie. Pleine de grâce, voyez-vous, le Seigneur est avec vous. Hélène, elle dit chaque émission. Et ça fait du bien entendre « Je vous salue, Marie ». Mais quand on voit tout ce monde, on dit « la foi n'est plus là ». C'est pas vrai. Des fois, on pense qu'on ne l'a pas, mais c'est parce qu'on l'a mis à côté. On a mis le matériel à la place. On a mis bien d'autres choses, on n'a pas de temps. Moi, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, « Ben voyons donc, vous allez encore à la messe, vous? Moi, je n'ai pas le temps de niaiser. » Oh! Ça m'a porté à réfléchir. Peut-être, ça a été un messager, ça a été un samaritain à me dire, « Pense-y encore plus et prie davantage et sois fidèle à ton engagement. » C'est très important de garder Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput, vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre, « Jamais seul ». Imaginez plus d'une heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à
soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime et surtout qu'on est sûr que ça ne se trouvera jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, mais je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de l'Évangile, on s'en va rejoindre quelqu'un que j'apprécie tellement. C'est un grand ami à moi et je me trouve privilégié d'être son ami, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Évangile selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mes amis, nous avons commencé le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël et on voit comment Jésus se manifeste comme le Sauveur qui va partout et qui guérit toute maladie et toute langueur. Personne n'est laissé à l'écart. Il a le souci de tous et de chacun. Et quand Jésus veut envoyer ses disciples, ils ont besoin d'avoir ce don de compassion pour les gens. L'attention que Jésus a pour les foules, qui sont fatiguées et abattues, il faut que cette attention, ses disciples l'aient également. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans des associations, dans des organismes, qui ont l'habitude, qui savent que les gens comme ceci, c'est ceci qu'il faut, c'est cela. Ils connaissent bien les dossiers, les mécanismes, mais ils n'ont pas ce don de l'attention aux autres. Vous voyez ? Ils savent tout de suite ce qu'il faudrait faire, mais ils ne prennent pas le temps de regarder ces gens, d'avoir cette attention, ce cœur que Jésus a pour eux. Vous voyez ? Et Jésus désire communiquer ce don, cette attention. Et il faut prier. Priez donc le maître de la moisson, il faut prier pour avoir ce don, pour que les autres sentent qu'on va vers eux avec le cœur, avec son cœur, et que chacun d'entre nous, nous sommes vraiment des pasteurs. Alors c'est vrai que Jésus nous envoie comme lui, nous avons à poser les gestes qu'il a posés, pour que c'est un message de libération. Il faut que les gens soient rendus à eux-mêmes,
à leur vérité d'homme et de femme, qui trouvent leur chemin, qui soient responsables. C'est extraordinaire, voyez. Et qu'une des premières missions de Jésus, c'est que chacun, non seulement devienne lui-même, mais prenne conscience qu'il est plus important que le groupe, que la famille, que la communauté. C'est l'individu qui est premier. Voilà la première, déjà, mission que Jésus nous donne, l'individu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de penser que l'individu est plus grand que le groupe, plus grand que la communauté, que le clan, que la famille. C'est révolutionnaire à son époque. Vous voyez, Jésus préfère chacun, il appelle chacun. Et il ne faut pas qu'on ait simplement le souci du collectif, de etc. Tout le monde doit rentrer dans etc. Chacun. Et rien que ça. Et puis non seulement l'individu est plus important que le groupe et que la famille, mais les premiers seront les derniers. Et les plus humbles, ceux qui sont à l'écart, ceux qui ont, ce sont eux qui ont du prix pour Dieu. Il faut commencer par eux. Et je me souviens qu'à Noël, je me trouvais en Guyane, à Cayenne, et l'évêque de Cayenne, qui était autrefois le curé de Sovieto, en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, après la messe de la nuit, il me dit, eh bien, à l'évêché, j'ai invité une vingtaine de clochards, des gens, des SDF, voilà, des gens de la drogue, des gens de la boisson, etc. Je les ai invités, je ne sais pas qui viendra. Et alors, il n'y a pas de personnel à l'évêché, mais il a fait une soupe, il a fait un plat, on a préparé la table, etc. Il y en a une quinzaine qui sont venus. Ils ont osé ouvrir la porte de l'évêché. Et puis, ils se sont assis sur des vraies chaises, autour d'une grande table. Ils étaient intimidés, mais fiers. Fiers d'être accueillis à l'évêché, d'être reconnus, et d'être là pour le jour de Noël. Eh bien, c'est un bel exemple de montrer que les derniers seront premiers et qu'il ne faut pas oublier les petits. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charron. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, comme d'habitude, je vous attends. J'ai rencontré Jésus. Mm-hmm. C'était la seule façon que j'avais de le dire à ce moment-là. Il ne m'est pas apparu, mais au plus profond de mon cœur, j'ai vraiment fait une rencontre avec le personnage Jésus. Et ça, ça a chamboulé toute mon existence de 22 ans à ce moment-là. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.